Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat. Comme toutes les semaines, un débat évidemment, mais aussi en reportage et la parole des citoyens. Et ce dimanche, un vrai sujet à l'affiche, nos banlieues. Nos banlieues laissées en plan, mais aussi un plan banlieue. Nos banlieues laissées en plan, chômage, insécurité, ça fait 40 ans que ça dure. Et nouvelle violence urbaine à Toulouse, dans le quartier du Grand Mirail, il y a quelques jours à peine. Le plan banlieue, c'est le rapport Borloo, remis ce jeudi matin au Premier ministre Édouard Philippe. Alors, autour de la table, pour en débattre, pour parler du présent, mais aussi de l'avenir et du devenir de nos banlieues, Franck Biasotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Toulouse, en charge du logement. À vos côtés, Mickaël Nogal. Bonjour. Député de Haute-Garonne, La République En Marche. Votre circonscription, d'ailleurs, intègre le quartier du Grand Mirail. Avec nous, également, Pierre Cohen. Bonjour. Ancien maire socialiste de Toulouse. Mais entre-temps, vous avez basculé chez Benoît Hamon et son mouvement Génération. Et à vos côtés, Salah Amokran. Bonjour. Vous intervenez dans les quartiers et vous êtes responsable du collectif Tacti Collectif. Mais avant de lancer le débat, on donne la parole aux Toulousains. Des images tournées au centre de Toulouse, dans le quartier des Carmes. Des images signées Jean-Luc Pigneux. Et on va voir que l'image de nos banlieues n'est pas forcément négative. Quelle image vous avez du Mirail, de la Rainerie? Bon, ben, c'est la même image qu'on a quand même depuis toujours quand on habite Toulouse. C'est un endroit où on n'aimerait pas habiter soi-même, quoi. Qui aurait pu être sans doute bien s'il avait été correctement suivi, aidé, entretenu. À un moment donné, il y avait une police de proximité qui fonctionnait pas trop mal, qui n'existe plus, apparemment. Donc c'est vrai que... On ne peut pas dire qu'il y a une évolution positive, non, pas du tout. Bon, j'ai pas eu une image particulièrement négative, a priori. Maintenant, je pense que ce sont des quartiers où il est difficile de vivre. Mais il faut mélanger les gens pour qu'il y ait une cohésion, pour que les gens puissent se rencontrer, sortir, faire des fêtes de quartier. Mais il n'y a pas ça, quoi. Alors, on vient d'en entendre dans le micro-trottoir. Un Toulousain évoque la sécurité et la police de proximité. Alors, première question, retour sur les nuits de violence au Grand Mirail. On a l'impression de revivre toujours le même film, de revoir toujours les mêmes images. C'est une fatalité, cette violence? Moi, je ne pense pas que ce soit une fatalité, simplement. Finalement, au lieu de parler de violence, je pense qu'on peut aussi parler de révolte. C'est-à-dire que les habitants de ces quartiers, notamment les jeunes, ont vraiment cette espèce de sentiment qu'on peut discuter, mais en tout cas qui est un sentiment de vivre eux aussi la violence des discriminations. Qu'est-ce qui a déclenché ces violences au Mirail? C'est notamment un contrôle d'une dame. Et il a été... Franck Biasotto n'a pas l'air du tout d'accord avec vous. Là, il a été... en tout cas, ça fait partie du contexte. C'est quelque chose qui a été beaucoup cité. Et c'est vraiment un contrôle qui s'est fait dans des conditions très, très dures. Donc, quatre hommes, la police n'a pas fait son job. La police non, là, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est important, la question des rapports avec la police. Mais au-delà de ça, pour ne pas être trop long, ce que je voudrais dire, c'est que la violence engendre la violence. Et il y a les violences symboliques aussi. Que vivent certaines personnes dans ces quartiers, les discriminations, dès le plus jeune âge, aller trouver... Vous savez, moi, chaque année, je reçois des jeunes qui ne trouvent pas de stage de troisième. Mais sur cette idée que les violences expliquent la violence, Franck Biasotto, vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je m'inscris en faux par rapport aux propos. Le contexte est totalement différent. Là, les violences sont imputées à des gens qui n'habitent pas le quartier, qui viennent commercer illégalement sur le domaine public et qui ont décidé, parce qu'aujourd'hui, ils connaissent une pression comme jamais, les interventions policières répétées, constantes, et aujourd'hui, le contexte est différent, donc ils se sont pris tout simplement au quartier, et les gens font bien la part des choses. Ce ne sont pas les jeunes, comme vous dites. Ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés dans le quartier. Mais ce ne sont pas les jeunes qui ont le sentiment d'abandon, pas du tout. On était autour du ministre hier à Albamaville. On a d'ailleurs absolument une interview du ministre. Les jeunes et les associations sont bien clairs. Ce ne sont pas des jeunes qui sont suivis de manière continue ou pas. Ce sont des gens de l'extérieur qui sont venus faire causer le trouble. Face à ce type d'événement, je pense qu'il faut avoir une attitude d'abord responsable et puis très humble. C'est-à-dire que moi,
je veux d'abord saluer les forces de l'ordre et les forces de secours. On voyait les images des pompiers qui intervenaient toujours dans des contextes difficiles, le travail des forces de l'ordre qui l'est d'autant plus, compte tenu en effet de la complexité de ce qui s'est passé avec, comme le disait Franck Biasotto, des personnes qui viennent de l'extérieur. Et on a vu dans les suspects et les personnes qui ont été d'ailleurs condamnées. Donc vous êtes totalement en porte-à-faux, rien ne peut justifier ça, si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. On peut trouver des explications, mais on ne justifie pas. Une violence, il faut la condamner, et je pense que quand vous intervenez, quand vous avez ce type d'événement, vous mettez aussi en danger la vie des habitants et vous mettez aussi en danger la vie des forces de l'ordre. Pire que ça, on ne peut pas le... Ça, c'est un vieux débat qu'on avait eu, surtout avec Nicolas Sarkozy, qui avait été quand même extrêmement fort là-dessus. Il est clair que expliquer, ce n'est pas justifié. Et on ne peut pas nous empêcher d'expliquer des choses parce que, à force de ne pas vouloir expliquer les choses recommencent. Donc, on a aussi tout intérêt à être lucide. Il y a un certain nombre de faits. Le rapport Borloo est très clair. Oui, 37%. Tout à l'heure. Non, mais je vais prendre des chiffres qui sont dans le cadre du contexte. 37%, trois fois plus de chômage qu'ailleurs. Un rapport d'échec scolaire sans précédent. Une incapacité à trouver, je dirais, une capacité d'être dans la société. Donc, il y a bien là une vraie rupture. On va peut-être passer... Ce n'est pas les habitants du quartier qui sont responsables de ça. On va passer des jours et des jours à dire... On va passer des jours et des jours à dire, évidemment, c'est les jeunes. Moi, je crois que l'argument qui consiste à penser que ce sont des jeunes de l'extérieur est une vieille recette qui ne marche plus. Les faits sont avérés. C'est vérifié. Pourquoi ça ne marche pas ? Pierre Coëlle, sur la question effectivement de l'insécurité, le ministre Mézard est en visite à Toulouse, oui, au Grand Mirail, et il a une proposition. Oui, on va l'écouter. Oui. Du moins, il a pris position et il a fait une annonce. Alors, on va écouter le ministre et je réagirai de suite après. Il y a un besoin d'autorité qui est manifeste et les derniers événements qui sont survenus sont la conséquence en partie de mesures qui ont été prises par le préfet à l'encontre des trafiquants. C'est une réalité. On a ce besoin d'autorité. Première réponse a été faite par les instructions données par le préfet. Deuxième réponse, à partir du 1er septembre, dans le cadre de la politique de sécurité au quotidien, il y aura 30 agents nouveaux qui seront déployés sur ce quartier difficile. C'est une réponse concrète. Alors, Pierre Coëlle, 30 agents sur le terrain, c'est la solution ? Bien sûr qu'il faut des sanctions, bien sûr qu'il faut de l'autorité. Mais le problème, c'est que si, pour les quartiers, seulement l'autorité était une réponse, il y a longtemps que les problèmes seraient réglés. On a là un certain nombre de ruptures totales entre ce que vivent les gens et ce que la République, dans des endroits normaux, donne comme possibilité à tous les autres citoyens. Donc il y a bien des explications sur lesquelles il faut se pencher. Et c'est pour ça que le rapport Borloo, qui, à mon avis, on en discutera tout à l'heure, oui, au moins dans son constat, est très lucide. Depuis 4 ans, il n'y a plus de politique de la ville. Alors, depuis 4 ans. Donc c'est pas par hasard. Il y a aussi un volet. Mais c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit. Je pense qu'il faut nuancer. Il y a un volet prévention. Justement, Jean-Luc Mouninck, le maire de Toulouse, s'est exprimé sur le sujet dans les colonnes de nos confrères du journal Le Monde en disant « Il est apparu évident que nos équipes n'avaient pas été présentes en amont. » Alors, vous êtes adjoint au maire. C'est quoi un constat d'échec ? C'est une forme de lucidité. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en amont ? Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur les propos de Pierre Coëlle. Très clairement, la politique de la ville, elle est utile. Elle ne s'est pas arrêtée. J'ai jamais dit qu'elle était inutile. Simplement, je dirais, par rapport aux propos de M. Borloo, on y reviendra tout à l'heure, par rapport au rapport Borloo, tout simplement, ce qu'il dit globalement, c'est que c'est tellement bureautique, technocratique. Parfois, c'est une grosse machine. On reviendra sur la seconde partie du débat. Mais très concrètement, sur la déclaration qui est quand même assez étonnante de Jean-Luc Mouninck, disons qu'il y a personne sur le terrain. Comment très concrètement, vous avez beaucoup d'acteurs sur le terrain. Vous avez des associations. Vous avez toutes les collectivités, à peu près toutes, parce que certaines quittent. Là, ce n'est pas le cas, puisque Jean-Luc Mouninck dit. J'essaie de vous répondre. Vous me posez une question, je vous réponds. Certaines collectivités, on affronte la difficulté. On est sur le terrain. Moi, j'ai pas changé mes habitudes pendant les émeutes. Je suis resté proche des habitants, proche des associations, pour comprendre ce qui se passait et surtout pour être présent. Certains s'en vont lorsqu'il y a une difficulté. Ce n'est pas un échappatoire qu'il nous faut. Il faut être présent et encadré. Après, est-ce qu'il manque des gens sur le terrain parfois, pour faire la prévention, à éviter que l'incendie ne prenne ? Monsieur Dubois, pardonnez-moi, juste parfois, qu'est-ce qui manque ? De coordination globale entre toutes les collectivités, État, département, région. Et parfois, effectivement, il y a des dysfonctionnements et tout le monde n'est pas sur le pont au même moment. C'est ce qui manque, de la cohérence d'intervention pour que nous soyons plus efficaces. En réalité, par rapport, c'est pas seulement le cas à Toulouse. Oui, en amont, il y a un déficit. On est en recul sur la question du travail social et éducatif sur ces 10-15 dernières années. C'est d'ailleurs ce qui est dit,
on va en parler tout à l'heure, mais ce que dit le rapport Borloo, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du retour de l'humain. C'est vrai qu'on a une religion, il y a une religion de la rénovation urbaine depuis plus d'une dizaine d'années. Et alors, grosso modo, pas seulement parce que, bon, je veux dire, c'est quand même des transformations importantes, y compris on le voit à Toulouse. C'est pas ça, mais c'est vrai que on est en recul sur la présence en termes d'éducation populaire. Vous concrètement dans le Grand Mirail, est-ce qu'il y a assez de médiateurs, de gens sur le terrain? Non, il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Parce qu'il y a assez. Circonscription et j'y passe beaucoup de temps et on travaille justement en bonne intelligence avec la ville de Toulouse. Et je veux saluer ce qui a été fait par la précédente majorité, parce qu'encore une fois, sur un sujet qui est aussi grave, on ne peut pas opposer les uns aux autres et se retourner vers le passé et dire que tout ce qui a été fait était mal, tout ce qui a été fait a porté ses fruits. Il y a des choses qui ont porté ses fruits. Les budgets accordés à la rénovation urbaine ont permis de rénover un certain nombre de bâtiments. Et puis aujourd'hui, on est aux responsabilités depuis un an avec Emmanuel Macron et il y a des choses très concrètes qui ont vu le jour. Vous disiez, M. Amokrane, vous parliez d'humain. Vous avez raison, l'humain, c'est hyper important. Monsieur Mézard a reparlé des 30 effectifs de police supplémentaires pour le quartier du Mirail qui vont s'accompagner de la refonte de la police de sécurité du quotidien voulue par Gérard Collomb. Et Gérard Collomb était d'ailleurs venu dans le quartier du Mirail, preuve que le gouvernement justement a en tête et est bien concerné et impliqué dans le quartier du Mirail. Et donc la police de sécurité du quotidien, le dédoublement des classes de CP, des moyens sur l'éducation, tout ça. C'est du concret. Vous dites, bien sûr c'est du concret, mais alors on a eu le ministre, M. Mézard, qui nous parle d'autorité. Vous nous parlez du ministre de l'Intérieur en visite. Bon, OK, il faut des réponses d'autorité et de police. M. Blanquer était là également. Juste sur les questions. Oui. Non, mais parce très rapidement, j'ai dit quelque chose qui... voilà, une illustration. La rénovation urbaine, 5 milliards. L'intervention au niveau national, l'intervention sociale, 300 millions. Bon, justement, voilà. on va parler de politique publique, puisqu'on va prendre un peu de recul et s'éloigner un tout petit peu des incidents du Mirail de ces derniers jours. Et on va faire une sorte d'état des lieux au travers d'un reportage de Cécile Fréchinos et de Thierry Villéger qui va nous parler justement habitat et du rôle des associations. Et on débat de suite après. Je vais vous faire visiter. Vous voyez que rien qu'en entrant ici, déjà, on voit que... On sent que déjà que c'est triste, que c'est pas... Josette Rodriguez est l'une des plus anciennes habitantes de la cité Papus à Toulouse. Un record de longévité dont elle se passerait bien. Aujourd'hui, il n'y a rien qui retienne cette retraitée, si ce n'est son faible loyer. Ah oui, moi j'aimerais que ça change, qu'ils le refondent un peu. Mettre des bancs, que ce soit plus gai, plus agréable. Comme Josette, ils sont plus de 70% des habitants du Grand Mirail à vivre dans un logement social. Ces HLM sortis de terre dans les années 60 font aujourd'hui l'objet d'une politique de rénovation. En 8 ans, Toulouse Métropole Habitat va ainsi débourser plus de 220 millions d'euros pour réhabiliter ces quartiers. Vous avez ici une première opération de construction qui a été réalisée suite à des phases de démolition. Et on trouve en face une opération qui a été livrée il y a un an et demi pour aussi afficher une volonté de changer justement cette image, d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau sur le quartier, de pourquoi pas aussi faire venir des profils d'habitants qu'on n'a pas toujours forcément ou un peu plus difficilement, comme des étudiants par exemple. Repeindre des bâtiments, planter des fleurs, construire des immeubles modernes. Cela sera-t-il suffisant pour changer l'image des quartiers populaires et créer plus de mixité sociale? Pour Paul Chiesa, adhérent de la maison de quartier de Bagatelle depuis 25 ans, la métamorphose du Grand Mirail ne tient pas qu'à l'urbanisme. Comment construire un avenir quand ils ont connu leurs parents au chômage? Maintenant, les grands-parents au chômage, je veux dire, c'est très difficile. Je veux dire, on ne peut pas avoir des quartiers populaires où les gens vivent paisiblement et vivent bien leur vie avec 5 millions de chômeurs, c'est pas possible. Ici, près d'un habitant sur deux est au chômage. 22% des élèves en retard scolaire et près d'un quart de la population est sans formation. Pour tenter de modifier cette réalité sociale, de nombreuses associations s'investissent. Il y a... Ok, colère. Ateliers, médiation, soutien scolaire. Les bénévoles sont nombreux à accompagner ces jeunes désenchantés, mais n'y arrivent pas seuls. Quand on sait que nous, on a décidé de nous-mêmes, parce qu'on l'a ressenti, ben qu'après 17h, il faut y être, et surtout le week-end, parce qu'ils sont dehors, il ne faut pas avoir le bac pour le penser. On a la chance d'avoir la masse de travailleurs sociaux la plus importante. Ce serait bien qu'avec de la coordination et de la cohérence, on puisse avoir le même parcours.
d'accompagner ces gamins après 17h et d'accompagner les commerçants, les habitants, à qui veut, sur des programmes, sur des projets, sur un échange, sur du dialogue, de l'investissement. Et c'est parti. Le rapport Borloo rendu jeudi prévoit une enveloppe de 5 milliards pour les quartiers prioritaires. Ici, chacun espère que ce ne sera pas un énième plan banlieue sans résultat. Avant de rentrer dans le détail, une précision importante. Il est évident que les quartiers en difficulté, ce n'est pas une spécificité toulousaine de seule agglomération. Il en existe dans plusieurs départements de notre région, notamment dans le Tarn, Albi, Océan, Carmaux, Castres, dans les Hautes-Pyrénées, Tarbes, dans l'Aveyron, Villefranche-Rouergue, évidemment, Haute-Garonne. Alors maintenant, on vient au rapport Borloo. J'imagine que vous l'avez lu. Alors, la copie, est-ce qu'elle est bonne ? Alors, moi, je pense qu'elle est, elle a de très, très bonnes choses. Elle est d'abord lucide et il y a des perspectives. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout aux parlementaires, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que je lis là, est presque contradictoire avec ce qu'on voit de la politique mise en place actuellement. Je prends l'exemple. Tout ce qui est éducation sociale, il y a un nîmes à, je dirais, la nécessité. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on sortira des banlieues par l'éducation, par l'emploi, par le lien social, par la culture. C'est pas juste des mots. Sauf que jusqu'à maintenant, les collectivités locales, et on le sait puisqu'on a un débat entre nous, sont mises sous l'été noir, sont exemples de budget. Vous savez très bien que la DGF, la dotation pour les collectivités, a augmenté. C'est pas vrai, 1,2, c'est-à-dire que vous faites rien. Elle a augmenté. Alors moi, je vous fais une proposition. Elle a augmenté. Sortez la politique de la ville de la contractualisation. Déjà, commençons. Vous dites que les finances des collectivités baissent, c'est faux. Si, non, les budgets sont restreints. Une évaluation du rapport lui-même. C'est pas le premier rapport qui est sur la table. Est-ce que d'après vous, c'est un vrai rapport? Est-ce qu'il apporte du neuf, un autre regard, des propositions innovantes? Parce que les rapports, il y a de quoi caler des dizaines de bibliothèques. Moi, j'ai malheureusement, je commence à avoir un peu d'âge et ça fait longtemps que je milite dans les quartiers, donc des rapports, j'en ai vu plein. Et il y a des choses qui sont intéressantes, mais en fait, finalement, il revient sur des choses qu'on dit depuis longtemps, qui est la nécessité de réinvestir sur l'humain et la question sociale et la question de l'éducation. Et c'est vrai que, bon, après, on verra ce qui va en être tenu. Je rappelle que le rapport devait être remis au président. Pour le moment, ce n'est qu'un rapport. Il a été remis au Premier ministre. Le Premier ministre a dit qu'il allait le lire. Bon, c'est déjà pas mal. Mais bon. Mais moi, quand je m'inquiète de sa mise en œuvre, et vous disiez, bon, quand même, l'histoire des emplois aidés, c'est vraiment c'est un des plus grands plans sociaux de ces dernières années. Est-ce que ce rapport va vraiment devenir effectif? Qu'est-ce qui va devenir ce rapport? Vous me permettez par la même occasion de corriger des fausses informations. On a dit que les emplois aidés étaient supprimés. Non, il y a 200 000 emplois aidés qui ont été maintenus sur les secteurs et les quartiers les prioritaires et les secteurs de la santé et de l'associatif. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'effort de l'État, il est fait. Idem pour les collectivités. Excusez-moi, monsieur Nogal, à des conditions sur les quartiers. Ensuite, alors il faut cumuler le être sur les quartiers, avoir les quartiers, plus de 50 ans. Qu'est-ce qui va devenir ? Ce qui est intéressant dans ce rapport Borloo, c'est qu'il aborde plein de thématiques différentes, que ce soit l'éducation, la formation, la sécurité. Qu'est-ce qui va devenir ? Annonce dans les prochaines semaines. Je ne peux pas parler pour le président de la République. Le président de la République présentera à la mi-mai ou à la fin mai ses préconisations et son plan banlieue. Le rapport Borloo est bienvenu parce que Jean-Louis Borloo est quelqu'un qui connaît bien ces sujets et donc c'est toujours intéressant d'avoir. Vous êtes prêt à le soutenir à l'Assemblée, ce rapport ? Vous êtes prêt à dire il faudrait des mesures ? Avant de le soutenir, moi je veux souligner déjà ce qui a été fait et certaines pistes qui sont évoquées par Jean-Louis Borloo ont déjà été mises en œuvre dans la réalité, dans la vie des Français. Je pense notamment au CP, au CE1 dédoublé dans les quartiers prioritaires. Ça veut dire 12 élèves par classe. Donc, que veulent les parents dans ces quartiers? Ils veulent des bonnes conditions d'apprentissage pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se sentir en sécurité. Qui sont au bord de la rébellion. Ça ne suffit pas, visiblement. Ils veulent une école de qualité. Ils veulent se sentir en sécurité. On le fait avec la police de sécurité du quotidien. Ils veulent un job pour leurs enfants qui galèrent aujourd'hui, parce que la réalité, c'est ça. Quand on est un jeune dans les quartiers, on a 3 fois moins de chances. L'emploi, c'est un vrai problème dans les banlieues, 40%. Est-ce que sur la question de l'emploi, le rapport Borloo va être utile? Écoutez, les emplois francs, juste là-dessus, ça peut être les emplois francs. Il y avait une dotation autour de 11 millions d'euros, c'est 5 000 euros d'aide, ça fait 2 500 emplois
à l'échelle nationale. Parce qu'on est dans une expérimentation. Vous savez très bien, il faut être honnête avec les gens qui nous regardent. C'est une expérimentation qui a lieu en 2018. Mais les employés existent depuis longtemps. Je voudrais là aussi apporter une précision. Monsieur Cohen nous dit que les employés aidés, ça existe depuis longtemps. Là, on parle d'emploi franc. Un emploi franc, qu'est-ce que c'est? C'est pour une personne qui habite dans les quartiers, avoir des facilités d'embauche, de subvention, de prime. C'est une prime qui est donnée de 5 000 euros par an. Non, là aussi, c'est différent parce que ça a été élargi. La proposition de François Hollande avait créé des effets de biais parce qu'on embauchait des gens, on embauchait des gens des autres quartiers qui venaient dans les quartiers prioritaires. Parmi les propositions il y a notamment Pierre Cohen, s'il vous plaît. Mais c'est utile. Parmi les propositions, j'ai demandé à Muriel Pénicaud d'avoir cette expérimentation des emplois francs dans le quartier du Mirail. D'accord, mais restons sur rapport Borloo, c'est l'actualité de la semaine. Est-ce qu'il y a des propositions qui sortent? Le point de l'emploi du rapport Borloo, c'est de dire, de mobiliser tous les grands comptes, toutes les grandes entreprises. Ça, évidemment, mais c'est extrêmement intéressant. Mais c'est pas... Ça fait des années. Moi, je me rappelle, pratiquement tous les gouvernements ont assis les grands chefs d'entreprise, les grands responsables de secteur public, en leur disant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est venu avec des générosités. Il y a tout à jeter sur le volet emploi. Mais par exemple, moi, la seule, une des choses que je trouve bien, c'est l'obligation de 1,5% d'apprentissage obligatoire des entreprises venant des quartiers. Par exemple, s'il n'y a pas de contraintes, s'il n'y a pas d'obligation, s'il n'y a pas, je dirais, une véritable... on montre que c'est maintenant un passage obligé pour tout le monde, eh bien, ça sera ce que l'on fait depuis malheureusement des années, eh bien, des grandes intentions. Elles ne sont pas obligatoirement, je dirais, malsaines, elles ne sont pas obligatoirement malveillantes, mais elles ne se font pas. Donc, aujourd'hui, là, il y a... Donc, c'est un bon point pour vous, là, il y a un point qui est l'apprentissage contraint avec un pourcentage important. Oui. Franck Biasotto. Ce serait un élément complémentaire. Le rapport Borloo, que dit-il? Et pour ne pas que ça devienne un énième rapport, il faut remettre l'humain, et vous le disiez tout à l'heure en préambule, l'humain au cœur des quartiers. Faire avec, avoir une politique tournée vers... Parce que c'est pas un peu tarte à la crème, parce non, que l'humain pas du tout, au cœur des quartiers... Ce qu'il rappelle, Borloo, c'est qu'en fait tous les éléments sont là, ils sont présents. C'est une meilleure coordination, une meilleure cohérence de toutes les forces vives aujourd'hui, que ce soit le monde privé, aussi les collectivités. Regardez dans votre reportage, la personne qui faisait partie de l'association, que disait-il? Il faut être présent en horaire décalé. Aujourd'hui, on se rend compte que les associations, elles sont toutes présentes sur le territoire. Elles étaient avec elles nous, sont vraiment avec moi. Utiles et efficaces. Elles sont utiles, est-ce que bien vous, évidemment. En tant que bailleur de fonds, vous évaluez leur efficacité. Elles sont utiles, elles connaissent le tissu urbain. Ce qui leur manque, c'est du professionnalisme, de la formation. Si on veut continuer de travailler avec elles, il faut leur donner les moyens de se réaliser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, nous, collectivités. Nous sommes aux responsabilités de dire quoi? Alors, on réoriente les subventions, les budgets pour les aider. Sur l'emploi, nous faisons les clauses d'insertion. Tous les chantiers qui sortent dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville. Et ça marche, c'est chiffré, c'est évalué, c'est chiffré, en temps d'heure, en temps d'homme. Ensuite, tous les bailleurs, et que je représente en partie, nous embauchons, on faisait du CDD, on fait de l'emploi saisonnier, de l'alternance, du contrat. C'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau, mais encore faut-il le faire. Réellement structuré, si vous voulez. Peut-être, mais ça dit, c'est bien, pourquoi pas. Mais voyez, les résultats sont positifs. Vous voyez, je ne suis pas dogmatique. Si c'est des bonnes idées, on les reprend. Et je crois qu'il faut aussi des persévérances en ce sens. C'est qu'aujourd'hui, il y a 4 fois plus de chômeurs. Oui, c'est ça le résultat. Dans la jeunesse, par exemple, si on prend, de manière générale, on est à 2 fois plus, à 20%, par rapport aux chiffres nationaux. Et chez les jeunes, à 4 fois plus, 40%. Mais nous sommes d'accord. Donc, que la jeunesse et l'éducation, c'est ce que je veux primordial. Dire, c'est que on ne dit pas, c'est bien, il y a des choses qui sont faites, mais au regard de l'enjeu, on n'est pas au niveau de l'effort nécessaire. Je ne dis pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait de plus, c'est de mieux. Il faut, par exemple, on a un gros travail à faire sur les questions de formation professionnelle. On a un gros travail à faire sur les questions de lutte contre les discriminations. Je le rappelle, à l'embauche. Mais ça, c'est dans le rapport Borloo, il y a des propositions sur la lutte contre les discriminations. Il y a des propositions. Vous savez, je vous dire, il y a une chose, il y a une série de propositions qui sont intéressantes. Il y a une chose qui me paraît importante que je voudrais avoir dite avant qu'on ait terminé notre discussion, c'est qu'il faut que l'humain soit au cœur. OK, il faut que le citoyen, il faut le retour de la question démocratique. On ne fera pas le bonheur des gens malgré eux. Il faut que les habitants des quartiers, ceux qui interviennent, soient au cœur de ces sujets-là. Malheureusement, on va arriver au terme de l'émission. Malheureusement, un point qui est important, qui n'est pas dans le rapport Borloo. Pour moi, le fait que ces quartiers soient souvent stigmatisés, c'est aussi le fait qu'ils deviennent des zones de non-droit, et seul, et ça m'étonne parce qu'il est PRG, lui, et sa position en tant que parti, la dépénalisation du ministre, la dépénalisation des drogues, de type de cannabis, Benoît Hamon et d'autres, le PRG le porte depuis des années. Donc ça
pour lutter contre l'économie souterraine, vous souhaitez... Voilà, contre l'économie souterraine et la notion de zone de non-droit. C'est fondamental. On a très rapide sur la formation. Les conséquences, évidemment, du cannabis. Mais non, mais elles existent déjà. Il y a 50% des jeunes. Si on parlait tous en même temps, on ne s'entend plus, donc ça ne sert à rien. Donc écoutons Michaël Nogal. La ministre du Travail a présenté ce vendredi le projet de loi pour la formation professionnelle avec encore une fois des propositions très concrètes, notamment un crédit formation annuel de 800 euros pour les personnes issues de ces quartiers défavorisés. Donc encore une fois, l'effort de l'État, il est fait. L'effort de l'État sur l'éducation, la sécurité, le logement, la formation, il est fait. Il est au rendez-vous. Malheureusement, on arrive au terme. Salomon Kram, désolé, mais le rideau va tomber. Et vous allez avoir les doigts coincés dessous. Donc malheureusement, on arrive au terme de cette émission. C'est vrai qu'on a survolé certains dossiers. On n'a pas parlé du radicalisme religieux. On aurait pu aborder d'autres questions, la dépénalisation, le commis souterrain. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On annonce une météo pas très bonne ce week-end. Donc profitez-en pour revoir sur Internet l'émission dès qu'elle sera mise en ligne. La semaine prochaine, on retourne en format ordinaire avec à mes côtés Patrick Noviello. D'ailleurs, je suis certain qu'il est actuellement devant sa télévision en train de nous regarder. Et si vous avez encore du temps, n'hésitez pas à consulter notre blog politique. À la semaine prochaine. Un excellent week-end. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous.